Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTNC. Tout de suite, voici le titre. La société civile appelle l'Assemblée nationale à convoquer une plénière d'urgence pour l'enterrement des membres de la CENI, décision prise à l'issue de la rencontre de cette structure présidée par Jonas Tchombela. Les images dans ce journal. Deux pandémies sévères menacent la culture de manioc en République démocratique du Congo. L'INERA et l'Institut international d'agriculture et recherche agronomique lancent les travaux pour éradiquer cette maladie qui pourra affecter environ 70% de ménages congolais. Et puis, l'artiste musicien Wera Son, patron de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, va se produire d'ici la fin de l'année au Zénith de Paris. Les préparatifs se font déjà ici à Kinshasa, mais il appelle le soutien du gouvernement congolais. C'est le sommaire de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Encore une fois, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous le savez, le chef de l'État participe depuis hier à la conférence économique Compact West Africa qui se tient à Berlin, capitale de l'Allemagne. Félix-Antoine Tshisekedi a fait un plaidoyer en faveur de l'économie africaine ainsi affectée par la COVID-19. Avant l'ouverture de ses assises, le président congolais a eu un tête-à-tête avec la chancelière allemande Angela Merkel autour de plusieurs questions relatives à la coopération entre les deux pays. Notre envoyé spécial Jean-Pierre Kibambe-Somoué pour le reportage. Le grand bâtiment au centre de Berlin, qui accueille depuis 2001 le bureau de la chancellerie fédérale d'Allemagne, c'est ici que la chancelière Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte de marque, le président de la République démocratique du Congo, président des exercices de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à marge de la conférence économique Compact with Africa. Le chef de l'État a rendu hommage à la chancelière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant ses 16 ans de mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo d'autre part. La chancelière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur le plan de politique interne et promis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique, facilitant le financement extérieur vers le continent. Les deux autres personnalités s'étaient déjà rencontrées en début de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chancelière Angela Merkel avait apprécié à leur juste valeur les réformes engagées en République démocratique du Congo. La journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Adrian, président de cette chambre, et Heinz, président de SAFRI, une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne, ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République, avec qui ils ont échangé durant une heure sur les énormes potentialités de la RDC et les investissements au pays. Retenir de cet entretien que nous avons eu des discussions très fructueuses dans une atmosphère, dans une ambiance amicale et très ouverte. Et nous avons fait ressortir les grands potentiels qui sont offerts par le continent africain, qui sont d'un grand intérêt pour les entreprises allemandes, pour le monde des affaires allemand. Et c'est ce que nous ont confirmé également les intervenants, les représentants de l'économie allemande qui étaient assis également autour de la table. Et nous espérons et nous sommes optimistes pouvoir lancer encore davantage d'initiatives qui vont rayonner de cette rencontre pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les entreprises allemandes. Les entreprises allemandes ont déjà lancé les premiers pas et nous ont montré également le potentiel pour cette coopération économique avec la RDC. Et les premières initiatives se sont montrées autour de la table. Je pense ici à de grands projets énergétiques sur le plan de l'énergie, mais aussi à des projets de fourniture, de livraison dans le secteur automobile. En substance, la Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique du Congo. Une journée pleine d'activités, ce vendredi 27 août 2021,
pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui répond aux invitations de partout où l'on départ des questions relatives aux opportunités d'investissement en RDC et au développement du pays. Kibambe, Somo Issa, Berlin, RTNC. Merci Jean-Pierre Kibambe-Somme pour ce reportage. Pendant ces temps ici au pays, la situation sécuritaire, l'évolution de l'état des sièges, la situation économique et tant d'autres sujets ont fait l'objet de la séance de travail qu'a eu le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé avec d'une part les élus nationaux de la province du Nord Kivu et d'autre part la délégation de la Fédération des entreprises du Congo de cette province. Patti Tondouangou, Marcel Moubenga nous en parle. La Fédération des entreprises du Congo FEC Beni a foi à la réussite de l'état de siège reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé Kyenge lors de sa mission de suivi de l'état de siège à Beni dans le Nord Kivu. Cette délégation a exposé au chef du gouvernement les difficultés qu'elle éprouve dans la réalisation de ses différentes transactions commerciales, notamment l'exportation du café. Nous avons un problème de l'exclusivité des courants, des médicaments qu'on a arrêtés à la douane. Il nous a dit qu'on aura solution à ça et nous croyons que c'est vrai. Nous étions très contents de l'arrivée du Premier ministre ici chez nous. Il nous a réussi et il nous a écoutés attentivement. Nous croyons que nous acceptons qu'on aura des solutions sur nos problèmes. Même il a dit qu'il a vu que nous avons la foi et nous avons besoin seulement d'être accompagnés. C'est pour la première fois à un court durée. Le président arrive et lui, le chef de gouvernement arrive après lui. C'est qu'ils ont une préoccupation pour nous aider. La FEC Beni a loué les efforts fournis par le gouvernement Sama dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et a promis de soutenir cet état de siège tout en souhaitant effectuer mandat au chef du gouvernement Jean-Michel Samalou-Kondé Kyenge. Toujours à Beni, le chef de l'exécutif national a eu une réunion avec les députés du Nord Kivu. Une évaluation à mi-parcours de l'état des sièges a été faite. Je remercie le Premier ministre pour ce travail abattu. On l'attendait depuis longtemps. Il a répondu à nos appels. Et tout ce que nous pouvons retenir, c'est que le Premier ministre s'est engagé à mettre fin à l'insécurité ici chez nous, à province du Nord Kivu. Et nous, les députés nationaux, nous allons l'accompagner pour que la paix revienne à Beni. Particulier et au Nord Kivu en général, pourquoi pas d'Alitouri. Le Premier ministre a bouclé sa mission après avoir répondu aux préoccupations de toutes les couches sociales de la population. La traditionnelle conseil de ministres a eu lieu sous la direction du chef du gouvernement et Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé. Plusieurs sujets étaient abordés selon les secteurs, bien sûr. Les comptes rendus de cette réunion évaluative du gouvernement avec le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katembwe, en voici un extrait. Avant de conclure son propos, le Premier ministre est aussi revenu sur la grève qui paralyse la radio-télévision nationale congolaise et pour laquelle une solution doit être trouvée. Il a invité le ministre de la Communication et des Médias à faire le point de cette situation à la fin de Point d'information. Le Premier ministre chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre de la Communication et des Médias pour le compléter et informer le Conseil de la situation de grève du personnel de la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre des tutelles a épinglé les principales raisons présentées par les syndicalistes de ces médias publics, notamment du barème salarial, du reliquat des salaires consécutifs au protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2019, de la situation des cotisations sociales et à la mise à la retraite des agents éligibles, de la prise des mesures des décrispations urgentes du climat de travail malsain et dégradant au sein de ces télévisions nationales. Avant d'entamer les discussions avec les délégués syndicaux, le ministre a échangé avec la direction générale et tous les directeurs pour mieux cerner certaines revendications. Après 48 heures de dialogue avec le banc syndical, il a obtenu la suspension de la grève. Et il a été convenu de la création d'une commission mixte, ministère, direction générale et banque syndicale, pour un suivi conjoint des différents points contenus dans les cahiers de charges.
Au regard du caractère transversal de certaines revendications, les orientations du gouvernement sont attendues pour la prise en compte des dites préoccupations. Toujours en actualité, l'Assemblée nationale appelée à convoquer dans le tout prochain jour une plénière pour statuer sur l'enterrinement de membres qui vont composer la CENI. C'est l'une des retombées de la réunion de la nouvelle société civile congolaise dirigée par Jonas Tchombela ici à Kinshasa. Il est au micro de la RTNC. Les forces sociales de la République démocratique du Congo sont extrêmement préoccupées à cause d'une part du retard que prend le processus électoral et d'autre part le silence de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'aboutissement du processus de désignation entamé depuis le 14 juillet dernier. Ainsi, les forces sociales prennent l'opinion publique à témoin et recommandent à l'Assemblée nationale de convoquer dans les 72 heures la plénière pour examen et adoption des conclusions de la commission paritaire, aussi adopter la résolution d'enterrement des 15 membres de la CENI. Les forces sociales de la République démocratique du Congo mobilisées entendent se déployer sur terrain pour faire valoir leurs droits au cas où la plénière ne serait pas convoquée. Les actions parlementaires initiées par cette institution doivent être accompagnées d'une visibilité, une dynamique de la société civile veut s'en charger. D'ailleurs, elle avait même initié cette démarche au début de la session finissante. Aujourd'hui, cette dynamique pour l'accompagnement des actions du Parlement a fait le plaidoyer auprès du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banyewezi. Sylvie Mouembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiaouete nous en parlent dans ce reportage. Conduit par le coordonnateur de la dynamique de la société civile pour l'accompagnement des actions parlementaires, Didier Akili, auprès du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banyewezi. La DISCAP sollicite à la chambre basse du Parlement que d'être proche de la population. Les parlementaires, ce sont nos représentants, ce sont nos élus. Ils ont des comptes à rendre qu'à la population congolaise. Et la population congolaise ne doit plus attendre que la fin du mandat pour venir s'enquérir de ce que leurs députés ont fait. C'est ainsi que la population, à travers la société civile, veut suivre et accompagner le Parlement ou les parlementaires pour savoir effectivement quelles sont les difficultés auxquelles ils sont invités pour ne pas répondre aux attentes nombreuses qu'a la population, mais aussi quelles sont les avancées qu'on constate dans le Parlement congolais. Les hôtes du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sont répartis avec satisfaction à la promesse reçue que leurs doléances trouveront des solutions. À quand les débats sur la délivrance du nouveau permis de conduire et où va l'argent du GoPass collecté? Autant de questions auxquelles devra répondre le ministre de Transport et Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, à la question orale au Sénat devant le membre de la Commission économique et financière de la Chambre haute du Parlement, Myriam Madikéric Kabamba. Soumis au devoir de redevabilité, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements va se présenter pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction devant les sénateurs. Chérubin Okende est invité par la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie. C'est dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la mise en œuvre de recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de lois de finances exercice 2020 et 2021 et des lois sur la reddition des comptes 2018 et 2019. Concernant les grands secteurs à problème, dont les transports, les sénateurs sont préoccupés par l'absence à l'imprimé des valeurs sécurisées, notamment le permis de conduire qui n'est plus délivré en RDC depuis pratiquement plus de 7 ans. Sur ce point, le ministre devra montrer aux sénateurs qu'il a déjà engagé l'État dans la résolution de ces problèmes qui semblaient être insurmontables alors que ça ne demandait qu'un peu de volonté politique. Les entreprises ayant souscrit selon les règles des passations de marché public à la production de ce permis de conduire attendent
la publication du nom de celle qui va gagner légalement ces grands marchés. Les locataires du 9e niveau de l'immeuble intelligent seront obligés de répondre aussi à la problématique de la collecte du GoPass et de sa gestion, qui est pourtant réalisée directement par la régie des voies aériennes. Le vendredi 27 août dernier, le ministre a réuni les responsables des entreprises et services de l'État sous sa tutelle pour préparer son oral devant la Commission économique financière et de la bonne gouvernance élargie de la Chambre haute du Parlement. Amorçons ce tour de l'actualité à travers le province. Bolé-Bolé, dans le Haut-Ouélé, est à un nouveau bac pour faciliter la traversée sur la rivière, un don du chef de l'État. Il a été inauguré par le gouverneur de province qui a annoncé en même temps l'arrivée dans le tout prochain jour de bus transco affectés pour la province. C'est sur ces chantiers navals de la rivière Népoko que le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassien-Enonga, choisit d'annoncer l'arrivée imminente de bus transco dans son entité. La symbolique est particulière pour l'autorité provinciale. Parqué dans ce port de Kinshasa mercredi dernier, ces engins devront être réceptionnés incessamment par l'autorité provinciale qui en donne déjà les modalités. Cette acquisition, dont le début de la matérialisation du processus a commencé depuis mars dernier, avec la visite d'inspection des dirigeants de la société ainsi que de la maison civile du chef de l'État sur plus de 1000 km du réseau routier de l'entité, est historique à tout point de vue pour un Haut-Ouélé devenu l'une des provinces les plus dynamiques de la RDC grâce au management de son dirigeant qui n'a pas hésité de sacrifier son carnet d'adresse d'entrepreneur pour l'intérêt communautaire. Le Japon veut apporter une nouvelle assistance aux sinistrés de Goma. Son ambassadeur à Kinshasa en a discuté les modalités avec le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, nous dit Émilie Kaindo. La République démocratique du Congo peut encore compter sur l'amitié de l'Empire du Soleil Levant. L'ambassadeur du Japon en RDC, Hiro Minami, a dit au ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, la volonté de son pays d'apporter une aide supplémentaire aux sinistrés du Niragongo. Une nouvelle qui rassure le ministre Modeste Mutinga, dont le plaidoyer est mené auprès de bonnes volontés nationales, mais aussi internationales. Les puissances volcaniques à Goma, à travers le ministre des Affaires sociales, les actions humanitaires, de rencontrer pas mal d'ambassadeurs, pendant ce temps-là, de rentrer au Japon pour venir pour des consultations, pour venir en vacances. Je n'étais pas, ici à Kinshasa, parce que le Japon a apporté tous les matériels avec la destination des victimes de l'éruption volcanique à travers le ministre des Affaires sociales. Et c'est ça qui m'a tout d'abord fait la première fois que je viens ministre au ministère des Affaires sociales pour saluer le ministre des actions humanitaires, des actions sociales, et de demander d'accélérer le suivi de notre coopération qu'on avait en embarquant à travers mon adjoint à l'ambassade. Les dons de cette nature augmentent la capacité des humanitaires à répondre aux besoins urgents des sinistrés. La ministre de la Formation professionnelle et de métiers s'est entretenue avec les anciens élèves de l'Institut technique professionnel agricole de Montbélé dans la commune de Limité. Antoinette Kipoulou est allée écouter les doléances de ses interlocuteurs sur la spoliation de cette école. Yvette Makuntima.
C'est en réponse à l'invitation de l'Association des anciens élèves de l'ex-Institut technique professionnel agricole de Mombele ITPA que la ministre de la Formation professionnelle et métiers a fait le déplacement de Mombele. Antoinette Kipulu-Kabenga voulait s'enquérir de la situation de cette école après les cris de détresse relayés dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette école, située dans les précarés du rond-point Ezo et l'avenue Lukamawa, au quartier Mombele dans la commune de Limété, la ministre a eu à échanger sur toutes les questions avec les anciens élèves de l'ITPA Mombele, lesquels ont exprimé leur gratitude à la patronne de la formation professionnelle et métiers. Celle-ci, qui reste aux yeux de ses interlocuteurs, la seule autorité à répondre à leur appel de détresse. Selon ses anciens élèves, la grande école renommée de la République démocratique du Congo est devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même. La dernière tentative en date d'expoliation de cette école était d'installer une station de traitement des matières fécales, un projet financé par la Banque mondiale, rejeté par l'Association des anciens élèves et la population riveraine de Mombele. Antoinette Kipulu-Kabenga a relevé à l'assistance les attentes du chef de l'État en rapport avec celle dont la finalité est de créer une classe moyenne en RDC à travers différents métiers issus de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. La visite des bâtiments a été le point de mire de la journée. Maniema est en train petit à petit de revêtir de sa plus belle robe grâce aux travaux de réhabilitation des infrastructures. Le plus récent, c'est les ponts Kaponjo qui relient des territoires longs de 6 mètres et de 4 mètres de largeur avec une capacité de 32 tonnes facilitant l'échange commercial. Il a été inauguré par le gouverneur par intérim de cette province, Idrissa Mangala, qui juste dans la soirée a effectué une patrouille nocturne accompagnée d'une équipe de sécurité. Commentaire à Rodépanda. Financé entièrement sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema, le pont Kaponjo, long de 6 mètres et 4 mètres de largeur, est un véritable ouf de soulagement pour la population de la ville de Kindu. Ouvrage qui vient relier les communes de Kasulu et Mikelenge, longtemps plongées dans ces calvaires depuis 20 ans. L'inauguration de ce pont à béton armé avec une capacité de 32 tonnes, est une occasion pour le gouverneur intérimaire du Maniema, Idrissa Mangala, de réitérer son engagement de mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple congolais au centre de toute sa politique. Tenant compte des souffrances que nous avons tous endurées pour passer d'une rive à l'autre de la rivière Kaponjo, qui coupe l'avenue Okenge en deux, avons résolu d'initier, après notre prise du pouvoir, la construction de ce pont. J'ai pour ma part l'énergie nécessaire, ainsi que la ferme volonté à conduire cette œuvre derrière la vision salvatrice du chef de l'État. La fiche technique du directeur provincial de l'OVD a démontré le respect des normes dans la construction de cet ouvrage. Au cours d'une patrouille nocturne, initié personnellement un bandit à main armée des grands chemins qui a longtemps terrorisé la population du Maniema est tombé dans les filets de l'équipe de sécurité du gouverneur intérimaire. La population exalte la joie par la bouche de la présidente de la fondation Dani Okombe DB Pacifique. Ces bandits placés à garde à vue maintes fois arrêté, mais réussit toujours à se soustraire et à s'enfuir, sera cette fois-ci transféré à Kinshasa, a souligné le chef de l'exécutif provincial. Seul moyen de débarrasser ses administrés de ce meurtrier en vue de garantir la quiétude de tous. Au Congo, la province veut se débarrasser de la malaria. Il a lancé la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'insecticides. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a procédé à cette opération. Constance Mananga et Jean-René Kabamba étaient dans la suite du ministre.
Alt Malaria, c'est ce projet de l'USAID mis en œuvre grâce au financement de l'initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme. Il a été lancé à Kenge dans la province du Kwango. Près de 21 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués dans les campagnes de masse et les écoles conformément au plan stratégique du programme national de lutte contre le paludisme. Ce projet permettra de protéger près de 38 millions de Congolais. Le champagne, un peuple en bonne santé, est un peuple fort. Nous sommes tenus de travailler ensemble pour que les citoyens de la RDC soient en bonne santé et capables de développer ce bon pays. Bien avant, le gouverneur de la province du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, a circonscrit les cadres tout en saluant l'apport de l'USAID à travers Kemonix. Le principal moyen pour lutter contre le paludisme, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Au nom du ministre de la Santé publique, le directeur du cabinet, Jean-Paul Djunga, a lancé cette activité couplée les dénombrements et la distribution des moustiquaires. Cette campagne organisée dans le contexte des crises sanitaires dues à la COVID-19 nécessite le respect des gestes barrières. Voilà ce qui explique les choix de la stratégie porte-à-porte. La struure brune et la mosaïque du manioc, deux pandémies sévères qui menacent la culture de manioc en RDC. Pour faire face à cette maladie, l'Institut international d'agriculture tropicale et l'Institut national d'études et recherches agronomiques ont initié des études qui éviteraient au pays une explosion de famine qui pourra en conséquence affecter environ 70% de la population congolaise. Images et commentaires dans ces reportages. Avec confirmation sur base de tests faits au niveau des laboratoires, il est certifié qu'en République démocratique du Congo, il existe de variétés dites tolérantes aux maladies de la struure brune et mosaïque du manioc. Les enquêtes nationales révèlent également la présence des pandémies du manioc sévère depuis 2012. Obtenir et mettre en œuvre un outil coordonné opérationnel remarquable et effectif en termes de ressources financières, humaines et matérielles pour faire face à la situation alarmante du manioc en RDC, l'objectif est celui poursuivi par l'ITEA et l'INERA. Si on ne fait rien du tout, il y a un patrimoine, non seulement économique et social, qui va disparaître. Et on risque de se retrouver en train de manger de la pomme de terre et de manger du manioc qui a toujours existé au Congo. Et ça fait partie du mandat de l'IITA de combattre les maladies des plantes. Les impacts négatifs engendrés par ces virus sur cette denrée alimentaire importante pour la subsistance en RDC affecteraient sensiblement les revenus des ménages congolais et particulièrement des femmes paysannes. Le ministre de l'Agriculture qui a lancé ces travaux pense qu'il y a urgence. Il nous faut une coordination d'activités de gestion, de prévention pour sécuriser les maniocs afin de garantir la sécurité alimentaire en RDC, a argumenté Désiré Zinga. Ces travaux éviteraient au pays une explosion de famine qui affecterait plus de 70% de la population congolaise. Un nouveau plaidoyer pour l'implication de la femme dans différentes réformes engagées au pays. Une initiative de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et développement. Ce projet consiste à faire le monitoring de RED+, les ressources matérielles de l'Équateur, et l'intégration de jeunes dans les organes de décision. D'autres détails avec Nene Maïzana et René Nguangou. L'implication de la femme dans les organes de prise de décision aux différentes activités de réforme engagées dans la province de l'Équateur, tel est le message de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Ce programme vise la mise en œuvre des recommandations de sauvegarde de Cancun, faire le monitoring dans les différents projets RED, permettre d'analyser la question du genre et sa prise en compte à tous les niveaux et lutter contre toutes sortes de discriminations. Nous voulons un changement pour qu'il y ait une représentativité qualitative de la femme dans les différents organes de prise de décision. Il y aura une étroite collaboration entre nous, la CEFLED et les différents porteurs des programmes des PIRED et des porteurs des réformes, ici au niveau national, je peux dire à tous les niveaux.
Il y aura aussi une collaboration avec les différents secteurs et cadres qui existent au niveau national qui traversent la question genre, pouvant nous permettre maintenant de faire des analyses concrètes concernant la prise en compte de la question genre dans les différents documents qui doivent être validés ou bien publiés ici-là. En dehors de ça, il y aura une modification des pratiques communautaire, nous allons amener une nouvelle approche de travail et pouvons permettre maintenant au niveau local, pouvons permettre maintenant aux femmes de bien participer dans les organes de prise de décision en les renforçant en capacité. Le projet sera exécuté dans les territoires de Bolomba, Ingende, Lukole, la Bikoro et la province de Sit-Ubangi. Ceci avec le financement de Rainforest Foundation Norway. La stabilité politique et la baisse de la contamination au coronavirus remet la musique congolaise sur la scène internationale. Noël Ngiamamakandawe-Rasson, patron de l'orchestre Wenge Musica, maison mère et figure emblématique de notre pays, se produit au Zénith de Paris d'ici la fin de cette année. Le préparatif à ce concert se fait ici à Kinshasa. Werasson sollicite l'accompagnement du gouvernement congolais. Il a rencontré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Commentaire, Jacques Abouaba. L'artiste et musicien Noël Ngiamamakanda dit Werasson, ambassadeur de la paix, ambassadeur de la Croix-Rouge et ambassadeur de la bonne volonté pour les enfants soldats, bientôt aux Zénith de Paris. Cette icône de la musique congolaise moderne sollicite ainsi l'implication et l'accompagnement du gouvernement dans la matérialisation de cet événement de l'année. C'est dans ce cadre que la pop star de la musique congolaise n'a pas hésité un seul instant à solliciter la sagesse des plusieurs autorités de la République démocratique du Congo, dont les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les ministres de la Culture, des Sports et de la Communication et Médias, les vice-ministres des Affaires étrangères et beaucoup d'autres personnalités qui comptent pour le soutien moral et matériel afin de réussir ces grands rendez-vous parisiens. Cette rencontre des Zénith est pour Noël Ngiam un moment de partage avec d'autres artistes et musiciens et de retrouvailles avec les anciens artistes et musiciens de Wenge Musica Maison Mère. La musique congolaise est au rendez-vous maintenant avec le phénomène. Lui, en 2002, qui m'avait donné la chance d'aller pour la première fois faire un grand concert en France, c'était au mois d'avril 2002 au Zénith, sur la même scène, c'était le double Zénith. Et aujourd'hui, c'est la musique congolaise qui est encore mise en valeur sur la scène internationale avec la même personne, la seule qui a fait le double concert en Europe, la seule qui a fait peut-être toutes les scènes. Les invités de marque à ces balles musicales ont été révélés à la répétition préparatoire en la salle Kabila Center de Lingwala. Il s'agit de Jossard Nyokalongo, Villabel, Lelimba Wakunchila, Héritier Watanabe, Fabregas, Esobe, Nada et tant d'autres. Bonne chance à l'artiste musicien. Le comité de gestion de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, va tenir son assemblée générale du 11 au 25 septembre prochain. En prévision de cette rencontre d'évaluation, son président du conseil d'administration, Jossard Nyokalongo, a doté la SOCODA d'un charroi automobile pour faciliter la mobilité de membres. Eric Kabamba et Diane Balaka pour le reportage. Les assemblées générales de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA, se tiendront respectivement le 11 septembre pour l'Assemblée générale ordinaire et le 25 septembre pour l'Assemblée générale extraordinaire au Musée national. Mais avant ces deux grandes dates, le PCA de la SOCODA, Jossard Nyokalongo, a posé un geste louable pour les agents et cadres de la Société congolaise des droits d'auteur. Il leur a remis un charroi automobile composé de quelques voitures marque Ketch, un minibus et quelques motos. Les clés de tous ces engins ont été remises au directeur général Abou Michel qui à son tour les a remises au personnel en leur demandant d'en faire bon usage. Juste pour ces charrois mobiles qu'on vient de nous offrir, je pense que dans les jours à venir, vous verrez vous-même les résultats. Et les résultats seront positifs sur les plans de mobilisation des recettes. Des assemblées qui vont permettre de débattre à fond tous les points qui touchent au bon fonctionnement de cette société. D'ici septembre, les employeurs et responsables des entreprises devront se conformer aux déclarations au versement des cotisations sociales de leurs travailleurs. La Caisse nationale de sécurité sociale, direction provinciale des Litouri, a rappelé à l'ordre les assujettis de son entité. Reportage de la RTNC Bounia.
Sur 972 employeurs et 8564 travailleurs répertoriés dans les fichiers de la Caisse nationale de sécurité sociale en Ituri, seuls 144 employeurs sur 435 actifs versent régulièrement leurs cotisations sociales au compte de leurs travailleurs, alors que d'autres continuent à œuvrer dans l'informel. C'est la statistique livrée par la CNCS Ituri lors de la clôture de l'activité de sensibilisation organisée à l'intention des employeurs de Bounia. Selon le directeur provincial de la CNCS Ituri ad intérim, Marco Madriazé, cette activité était organisée sur instruction de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale pour pousser les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de leurs travailleurs avant le mois de septembre 2021. Car les contrôleurs de la CNCS Ituri passeront dans chaque entreprise pour vérifier la conformité des déclarations et des versements des cotisations sociales. C'est pourquoi les employeurs de l'Ituri n'ont qu'à saisir cette opportunité pour ne pas tomber aux effarceaux des dispositions des articles 128, comme le souligne le dépôt intermédiaire de la CNCS Ituri. D'ici mois de septembre, tous les nos contrôleurs seront sur le terrain pour vérifier l'exactitude. Ça sera vraiment une vérification systématique pour voir est-ce que tel employeur est en règle ou il n'est pas en règle. Il est à noter que les avantages des cotisations sociales concernent les trois branches, à savoir les risques professionnels, les prestations aux familles et la pension. Tous les employeurs, dont ceux des ONG nationales et internationales, des structures médicales, des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, des services étatiques et para-étatiques, des ateliers, des syndicats des opérateurs économiques et autres, ont promis à la CNCS Ituri de capitaliser les délais impartis pour leurs intérêts et de leurs travailleurs. Ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Yvette Makuntima va me relayer à 20h pour la suite de l'actualité. Avant de prendre le week-end, gardez vos yeux bien ouverts sur la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir.